Donc, oui, អង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចចម្រើនការនិតិទីសំណាកាឲ្យលោកអែមហុយឥឡូវរៀបការបន្តអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសាក់សីលោកសុក្រុកលោកធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមាន លោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទុកឃុំខ្លួនខាងក្រមសាស្ត្រសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិដោយផ្ទាល់ពីបន្ទុកសវនកម្មលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កឡាមជីរួចហើយសាក់សីដែលនឹងត្រូវមកដល់សិក្ខាកម្មថ្ងៃនេះគឺមាន50នាមពី TCW 961 ប៉ុន្មានរយ88សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោក ខៀវសំផនឬភាកីដើមម្ដងរដ្ឋវិនាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែកកាលពីព្រឹកមិញសាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកឌុចប៉ារីប៉ុន្តែលោកអបត្តមានដោយមូលហេតុតល់ខ្លួនសាក់សីដែលសាក់សីមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះ នៅថ្ងៃនេះដែរមានសាក់សីបំរុងមួយរូបដែលមាន50នាមពី TCW 948សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមម្ដងរដ្ឋវិនាមួយដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីនឹងធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខលោកតាដំងបែកនាព្រឹកនេះសូមអរគុណលោកទាន បាទអរគុណហើយតតនេះអង្គវាសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលនៅលិខិតសំលះបងសិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដែលឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ល
Sốt đấy lục xã xây, ta lục mùa ấy. Mùi văn ni. Ồ con lục mùi văn ni, ta lục cao nơi ngay khai cho năm ná, lục chăm đi. Cô có mặt toàn xoay tốt, rung chăm qua cái mực rôn, qua cái hôm, nế. Ở tỉnh nhà phương cơ hôm thân bàn là miền này thật bọt bạc cá hay lô bọn tùm lên bọn lô nâng cứ bàn chạy chạy cực hiệu kỳ thằng ơ này rương cái đây nằm nào cả ní cơ đồ chứa xa thiên đại chuẩn rồi có việc bởi xếp hay cứ nẹ bọ bài phía xa tờ chỉ phía xa bí tiết này tùm đây bọn lô thì phía xa ông lê nâng phía xa bà răng ná ông thích chất là mấy kịch thả ta cua cho loài tốp nâng tùm nô nó nhạc đây mà định ná cơ nâng ngay khai cho năm ná lúc trăm tí ngày tìm bẩm pel khai bẩm muối năm pom bùi hồng pel ở quân lục bản lý ta thì cái này cầm nào bao lục nơi thì cái này nà nơi phu mình lục ô không sụp cơ sọc con biết khai cùng bung chàm ở cún cho tìm lâm nơi bạch nhập bọn ta lúc rô nơi thì cái lành ná nơi phung dù bùm biết có không tìm cho con sẽ con mía khai cùng phung chàm mà ở cún hay ta lúc có một đồ bộ ấy sắp ngày ní chị cừu bằng riêng và thăm sắp xa ở buộc bằng cao đã bao lâu chúng mua ấy hay mà đai bằng cao đã bao lâu chúng mua ấy chúng mua ấy lì mà đai chúng mua lục hiền cho phần bao lâu chúng mua ấy hay lục miền côn phần màn nhé chúng mua khay sụp hiền làm côn dây mùi lúc mùi văn ní tạo ra các bậc làm chi sạm mà cao mạnh mạnh tha tam tham mặt phía đại lục ảnh đấng cứ lúc mình miên chọp chùm nong nhiệt lộ hất ở đây nhiệt phốn chùm mùi nâng chùm chọp chọp tầng bí rụp cứ lúc nguồn chia nâng lúc thường tầm phốn có đôi chìa bọc cùl tầng lai đại trạng bàn tử tù dốc chìa phía kỳ đàm bật đăng rạch bạp nên được nông rương khá đây xôn xôn phí nế tì ta ở bài ca này bật đại tí nè chìa ca bật hay môn châu một giờ buông mốc ở giờ này bên ít tại lục bàn phơi tầm bọt hơi rồi nữ nơi giờ buông mốc này ta tập bọt đấy này tập là tập buông này ở giờ này bị tập mạnh hơn tập là cả cầm chi ấy đây nơi hàng cao xa sạt mặt cả ní khi ông bàn phơi rồi mà hào chia phần to tầng đi dương prap âm pisit nâng cả này cái đòn lục không thanh nặng lục cho sợ xây này giờ buông mốc ông chúng tôi dùng ra âm pisit lúc mùi văn ní, khăn ông thân nạ lúc chứa sạ xây nực khăn ông cách nằm đá ca này tệ vị thí cho phụ mốc ông dùm rè nếp bì ní, lúc ách bạc để xét khăn ông cách loài tộp tên nâng xùm nù rư ca oi lúc thư tha thị bai, rì bà ruộp đại nó mọi đạp về rút tập hiệp lực luôn ảnh sất mần thư thật khai cám bạch chăng nâng luôn ảnh miền nấy tha đại xa tay dùm lời rư ông nà hàm nàng đại lúc ách áng nú nôm oi lúc nâng trời tờ tùa rôn ca chọt bạc căn ông pi cả nơi dạy kích lúc mùi văn ní, khăn ông thân nạ lúc chứa sạ xây trơ tài chói tốp tài rôl xâm nô tàng lái đại phía kì. Rư chà krom này ông dùm rác xua dùm phút lúc, lược lên chai xâm nô ná. Rư đại nôm ôi chùm lái tốp, rư ca thua tha tị bài bọt lúc, đại nôm ôi đạo bởi rút đập hiếp lược luôn ấy, đối dương mà prap ông bí xích bọt lúc, rủi hơi khăn ông thân nạ lúc chứa sạ xây ông bánh mạnh ní. Hay khăn ông thân nạ lúc chứa sạ xây trơ tài chói tại cả na để bứt đại lục bàn đắng bàn lư bàn khơi bàn tròn chấm rứt lo miết bọt bị sao chụp bật tia rứt cơ bàn thưa ca sừng kê đại toal nơi bứt để hết nơi hết ca từng lái đại bẹp quan đang sầm nu đại phi ký rứt cơ cha cầm để ông dùm rác xua dùm bùa lục lục mùi bàn ní ta lục thọ bắt đầu khai cam rứt bắt đầu cây sầm phía chỉ mùi đang nẹt sư bằng kê nơi cây già lai hạ cầm sư bằng kê đại rứt tế dẹp pi cả lòng mốc hai bà thân bà thưa bà màn đón hai thưa nơi ti cả lại nà lục chấm lại tí chúng cho bàn thờ bàn đi đồ nơi đó đi cái lái hay nơi lại
lạc đây nông mà đồ. Hay một lần phiền cho một đó giờ phụ mục ông nhập đây ta lúc bà bình đất mưa rước bàn an nơi cầm nọt hết đại lúc bà phát đó chấm lai cả bì phiền môn chấm đồn phí đô như mươi nẹ sư bằng kết nơi kè giả lai thả cho con sư bằng kết đâm bây đùm lực ca choang trăm bà lúc đại được tí thả chị bàn khác một thầm mình sau khi chìm đại ไอ้ตามสมัติเพียบได้ลูกไอ้ดังหนึ่งช่องจำแต่ลูกไอ้ไปเจาะบานได้ที่ทางกำหนดเหตุสนับจมลอยได้ลูกบานอ่านดำไม่รุมลึกการช่องจำระบบลูกนู่ปัจจัยตรมตรึกสิ่งต่างๆคณิตรอบจนหนึ่งจมลอยได้ลูกดอกไอ้ต่างเพียบชิมวยหนึ่งเนี่ยซึ่งเกิดการปีเลือกมุนนกได้หรือตีดังทายังไม่ได้จมือดับสมูสั้นโผล่ไปยูแคลมาให้ยังจังสู้ไปเจาะท่าบรรลุมันอ่านคลำซาลงดำไปถึงหลักการจองจำบรรลุหลังเว้นเนี่ยคลำซาได้ลูกดอตะไคกรรมหลึงมนนั่งได้ลูกมันอ่านนั่งเวียซอมทรอไปโดยคณีหรือประหะประหารคณีแต่นั่งจำไรได้ลูกพัดดอลกาลปีมนุได้หรือตีจำไรกำหนดให้ได้ลูกอ่านดำไปถึงหลักการจองจำเนี่ยพวกลูกมันพัดดอลตะไคกรรมนั่งอยู่เฮยนะเดี๋ยวไปอยู่เฮยบนปรามชนามเฮยนะมาออกคนให้การิบจอมเป็นมกาสามนาคาสลับตะไคกรรมบรรลุองจำเรียบานตามระยะองกับเพียบกองเพียสะใสหนึ่งเนี่ยจุ่มนี้บานพัดดอลในมีตัววิปรักษาสะใสคือลูกโดยพารีสำหรับกุยขบายลูกดำไปเพียสะหรือปัญหามือจุ่มนวลได้เปียป้อนจะมีนังการอนุวัตสิทธิ์นังการเฉลยตอบได้มันเฉลยตอบนังสมนู่ปนใจวิจิอักษรเลยซาเมียกาไก่ไพรในการไปเพียสามนาคาที่ให้น้อมอ้อยลูกเมตุวีประสาสะใสกับลูกดุจภรีคือมันอาโจร่วมในสามนาคาในครองไงในบ้านใหอ่องยิมแรกตัวเตอลูกสะใสท่าลูกมวยวันนี้ตาจะเปลี่ยนประมาณทั้งไงปีไปทั้งไงก็ลองมองนี่ตาลูกบาทลอบานช่วยไปเพียซายังไม่นึกไม่ถึงปรึกษาสะใสได้อ่องยิมแรกพอดอลอ่อยลูกตามระยะตามสำนักระบบลูกตามระยะอ่องกับเพียบความเพียสะใสหนึ่งเนี่ยจำเรียนได้หรือตีทลอบานลูกบ้านเพียซาไม่กวาดเด๋ลูกมวยจะมวยไม่ตะวิโดยพารีได้เด๋มันไทยนี่ลูกบ้านจูบจะมวยนั่งลูกไม่ตะวิโดยพารีได้เชียร์ไม่ตะวิปรักษาสะใสคือได้ตามตำนานระบาดโลกตาโลกมันจูบก่อนเต๋บันจูบให้โลกมันไปพิจารณาสนับปรึกษาอยู่บอลจะมวยก่อนยังไม่เต๋อปีการได้โลกนั่งฉลายตอบการวัดสุดนั่งการในการยังการฉลายตอบจะนั่งสำนวนจะพูดบอกอย่างไรในปีนี้บ้านปรึกษาช่วยก็บ้านยายทาเบอร์ไว้ได้ยืมดังไว้ได้ยืมจงจำยืมไอ้ยายบ้านมาคนให้ลูกมวยวันนี้ตายยกลูกยลเปียได้ยืมปรับอัมพิสิทธิ์บ้านลูกมันเจ๊คือสิทธิ์
មិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរឬក៏សូមឲ្យលោកអធិការអធិប្បាយដែលនាំឲ្យដាក់ពិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងតើលោកយល់ពាក្យនេះដែរទេហើយលោកមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សៃប្រឹក្សាបើលោកបានបញ្យល់អំពីពាក្យនេះទេអំពីសិទ្ធិនេះទេចំពោះលោកបានបញ្យល់ហើយលោកយល់ទេលោកយល់ច្បាស់លាស់ទេឬតាមការបញ្យល់របស់គាត់បានច្បាស់ខ្លះមិនច្បាស់ខ្លះដែរវ៉ាអរគុណហើយយើងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសិទ្ធិក្នុងការមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរគឺសំណួរឬក៏សុំអត្ថាធិប្បាយណាមួយដែលពីភាគីនឹងរាជក្រមសួរចក្រមដែលអ្នកសួរចំពោះលោកនឹងការប្រើប្រាស់សំណួរគឺសួរឲ្យលោកឆ្លើយថាលោកដូចជាការលោកចូលរួមឬក៏លោកប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់នៅក្នុងរបបនោះដោយផ្ទាល់ចូលរួមជាមួយនឹងអ្នករតីឬក៏ប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងរបបនោះអូមកចាប់មនុស្សសម្លាប់មនុស្សអីចឹងអានឹងជាទំនួដែលនាំឲ្យដាក់ប្រយុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងបានន័យថាវាជាអំពើអាក្រក់ដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមដែលជាអំពើខុសច្បាប់ហើយសិទ្ធិរបស់លោកគឺលោកអាចឆ្លើយតបដោយបើសិនជាលោកដឹងរឿងហ្នឹងហើយលោកមិនបានប្រព្រឹត្តទេអានោះគឺសិទ្ធិរបស់លោកគឺលោកអាចឆ្លើយតបបានហើយបើសិនជាលោកយល់ថាមិនក៏បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរបែបនេះទេគឺលោកអាចសម្រេចមិនឆ្លើយតបឬក៏អាចមួយទៀតដែលយើងផ្ដល់មជ្ឈបាយឲ្យលោកគឺលោកអាចធ្វើការសាកសុំសាកសួរទៅមេធាវីរបស់លោកតាមរយៈដេញទូរស័ព្ទបានហើយបើសិនបើករណីនេះកើតមានគឺភាគីអង្គជំនះនឹងមិនឲ្យនឹងឲ្យទៅសួរសំណួរផ្សេងទៀតហើយតម្កល់ទុកនៅសំណួរប្រភេទនេះសម្រាប់ឆ្លើយនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលឱកាសដែលលោកបានឆ្លើយប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកមេធាវីប្រឹក្សារបស់លោករួចហើយហើយទី2សំណួរនឹងការដែលសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយបើសិនបើមានសួរដូច្នេះនោះគឺថាអង្គជំនះនឹងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងបើសិនបើលោកអាចតាំងសួរមកអង្គជំនះថាទំនួលនោះប្រភេទម៉េចអាចឆ្លើយបាននោះអង្គជំនះនឹងពិចារណាពិនិត្យលើបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងសម្រាប់ថាឲ្យឆ្លើយតបឬក៏មិនឲ្យឆ្លើយតបវាអាស្រ័យលើចរិតនៃសំណួរដែលឬក៏ការសុំអធិប្បាយរបស់ភាគីនេះចំពោះលោកនឹងគឺតាមករណីជាក់ស្ដែងតើលោកអាចយល់បានទេលោកគ្រូជាគ្រូបង្រៀនផងអាចយល់បានបាទអរគុណលោកមួយវណ្ណីហើយក្នុងការសួររីដោចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិរំនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកអង្គជំនះសាលាដំបងផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រញ្ញាសួររីដោស័ក្តិសិទ្ធិរំនេះមុនភាគីដតេទៀតនៅរឿងក្តីសហប្រញ្ញារួមទាំងសហមិត្តវិនៅមុខតំណាងដើមរឹងរອບនេះមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសម្មនាការក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញបងជូរមីស៊ើលព្រេស៊ីដង់ម៉ាដាមីស៊ីលេជូសបងជូរជាក្រុមជំរាបសួរភិក្ខុទាំងអស់បងជូរអ្វូមីស៊ើលតេម៉ួយជំរាបសួរលោកសាក់សៃខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់សុងដេវីលខ្ញុំនឹងសួរសំណួរទៅលោកតាំងនាមឲ្យការិយាល័យសាក់ប្រញ្ញានៅព្រឹកនេះនិងរសៀលនេះJe vous demande de bien écouter les questions. Si vous ne comprenez pas une question, simplement dites-le. Et par ailleurs, évidemment, n'inventez rien. Dites seulement ce que vous avez vu et entendu. Vous avez dit tout à l'heure que votre date de naissance était le 7 juin 1967. C'est ce que vous avez également dit dans vos procès-verbaux de question. Est-ce que vous pourriez préciser s'il s'agit de la date précise et correcte de votre naissance ou bien s'il s'agit de la date qui est mentionnée sur votre carte d'identité ? ហើយវាមានឬក៏វាលោកឆ្លើយតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលមាននៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់លោកតាមតញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំ
Est-ce que votre date réelle de naissance est la même que celle qui se figure sur votre carte d'identité ou bien peut-il y avoir une légère différence? Je vais vous demander, monsieur le témoin, de parler plus fort. Concernant l'âge, alors, peut-être pour procéder autrement. Est-ce que vous vous souvenez de l'âge que vous aviez quand vous avez travaillé à la pagode de Ouattara-Kun? En réalité, monsieur, vous avez donné en fait deux âges légèrement différents, mais qui vous situent dans la même tranche d'âge. Et je veux simplement rappeler ce que vous avez dit dans votre second procès-verbal d'audition qui porte la référence E319-19.3.93. À la réponse 3, vous avez dit ceci, je cite, « À ma souvenance, je devais avoir 12 ans quand on m'a transféré de mon village à la pagode de Ouattara-Kun. » Fin de citation. Et dans un autre procès-verbal d'audition, le premier du 27 août 2011, vous avez dit, à la réponse 1 de ce procès-verbal E319-19.3.219, vous avez dit ceci. À l'époque, j'ai été envoyé vivre dans la pagode d'Ouattara-Kun, j'étais garde de sécurité et j'avais environ 14 ans. Je suivais régulièrement mon chef quand il inspectait les bases militaires. Fin de citation. Si je calcule sur la base de votre date qui figure sur la carte d'identité, vous aviez à peu près 11 ans. En 1978, vous avez mentionné 12 ans et 14 ans dans deux procès-verbaux. Est-ce que vous vous souvenez vraiment de cet âge ou bien c'était une fourchette comprise entre 11 et 14 ans qui semble le plus correct? Et je parle toujours de la période de 1978. Très bien, avant d'arriver à des faits plus précis, je voudrais retracer votre parcours, vos lieux d'habitation et de travail successifs durant cette période 75-79. Donc vous avez dit que vous étiez né au village d'Anlong Ok, commune de Sokong, district de Kang Mir, à Kampong Cham. Est-ce que vous pourriez vous rappeler à peu près en quelle année votre village a-t-il été occupé par les forces révolutionnaires? Est-ce que c'était bien avant 1975? Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps.
na ai sam nai chang na Très bien. Justement, pendant le régime, vous étiez donc assez jeune. Où avez-vous habité successivement? Vous étiez d'abord au village. Où êtes-vous allé après avoir quitté le village d'Anlongkhla? Et quand vous dites que vous avez été redéployé dans une unité pour adultes, est-ce que c'était des adolescents ou bien c'était vraiment des adultes? Quelle était la tranche d'âge des personnes qui travaillaient dans cette unité itinérante après que vous avez été redéployé? Donc vous étiez le Benjamin de cette unité itinérante. Est-ce que cette unité a beaucoup bougé dans le district de Pimshikang? Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler dans la commune de Zdao? Et pendant combien de mois ou d'années, je sais que c'est compliqué pour vous de donner des estimations de temps, mais à peu près combien de mois ou d'années avez-vous travaillé dans cette unité itinérante du district? Est-ce que vous vous souvenez à peu près combien de mois avant l'arrivée des Vietnamiens vous avez été transféré à la pagode de Othakun?
Est-ce que vous êtes certain de ce que vous dites, que vous avez travaillé pendant un peu plus de deux ans à la pagode de Wat Uttarakhand? Est-ce que c'était à ce moment-là que vous étiez au service de Han? Je vais reprononcer Horn, je crois. H-O-R-N ou bien H-A accent circonflexe N. បាទខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ឈ្មោះហននឹងមែនជាហៅថាបើយើងនិយាយថ្ងៃគេថាកោះអហិរអីអង្គរៈការពីមីក្នុងទៅសុខទុក្ខតបអីទៅមើលតបនៅក្នុងប្រចាំក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណឹង. Bien, je vais revenir sur Horn. Dans votre procès-verbal d'audition E319-19.3.93, vous avez dit ceci à la réponse 38. Je cite. J'ai travaillé avec Horn 5 ou 6 mois avant la chute du régime des Khmer Rouges. Fin de citation. Donc là, vous aviez dit aux enquêteurs 5 à 6 mois avant la chute du régime. Maintenant, j'ai entendu plus ou moins 2 ans. Est-ce que vous pourriez essayer de clarifier cette période? Est-ce que c'était un certain nombre de mois ou bien est-ce que c'était plusieurs années? D'accord, donc je comprends maintenant que quand vous aviez dit que vous aviez travaillé pendant plus de deux ans, c'était dans l'unité itinérante du district. Et que par la suite, à la pagode d'Outrakun avec Horn, vous avez travaillé quelques mois. Bien, lorsque vous travaillez avec Han, est-ce que vous logiez chaque soir à la pagode de Uttarakhand ou bien ne logiez-vous sur place que de manière épisodique, c'est-à-dire de temps en temps? Et quand vous dites en général je loge avec les soldats, vous voulez dire les soldats du district qui étaient postés à différents endroits du district de Kangmir, bien parlez-vous des soldats de la pagode d'Outrakhun? Je vais revenir tout à l'heure sur le rôle de Horn, mais pouvez-vous nous dire où se trouvait le bureau de Horn et quelles étaient les fonctions de Horn au niveau du district? Je vais la couper en deux. Est-ce que Horn avait un bureau au sein de la pagode de Uttarakhand?
Ba miền. Đi qua ôn côn. Chừng là anh săn sọc. Thôi chứ mình ti ra một đồ. Et quelle était la fonction de Horn au centre de sécurité de Wat Othakun? Tout n'est pas vrai dans le canon menti sans sok Wat Othakun. Non. Mu Horn non, quand il patient sans sok, ma sok quoi mi? Patient sans sok sok. Et à ce titre, le chef de sécurité du district de Kang Mir était-il également le chef du centre de sécurité de Wat Othakun? Je vais maintenant en revenir à la période où vous avez travaillé pendant au moins deux ans au sein de l'unité itinérante du district. Est-ce qu'il y avait des jeunes qui provenaient des villages de votre commune? Est-ce qu'il y avait également des jeunes qui venaient de toutes les communes du district de Kang Mir dans cette unité itinérante? Et qui dirigeait cette unité itinérante? Je vais vous rappeler le nom que vous aviez donné devant les enquêteurs des juges d'instruction. Vous avez dit la réponse 73. ça j'ai commencé à faire des choses. Combien y avait-il de jeunes hommes qui travaillaient dans votre unité itinérante? Peut-être pas l'unité, la grande unité au niveau du district, mais dans l'unité à laquelle vous appartenez. Y avait-il des cham qui travaillaient avec vous dans cette unité itinérante? Et si oui, combien? À la même réponse que je viens de citer auparavant, vous avez dit, je cite, « Mon unité était composée de 30 personnes, dont 25 chams. » Est-ce que
Cela vous rafraîchit la mémoire sur le, la grande proportion de cham qu'il y avait dans votre unité. Mais si j'ai bien compris, quand vous dites que c'est exact, il y avait donc effectivement une grande proportion de cham dans votre unité. Et comment saviez-vous ou bien avez-vous appris qu'il s'agissait de cham? Comment avez-vous pu les identifier comme étant des cham? Est-ce que vous les reconnaissiez également sur base de leur nom, leur prénom qui était différent de ceux des Khmer? Est-ce que physiquement, y avait-il des différences, selon vous, entre les gens d'ethnie Khmer et les gens d'ethnie Cham? Bien, je vais revenir à cela également. Est-ce que vous saviez de quel village il provenait au sein du district de Kang Mir? Plus précisément, est-ce qu'il y avait des villages qui étaient essentiellement peuplés de Cham à l'époque dans votre district? Avant qu'on organise les unités itinérantes, bien entendu. Nơi trên cơ bản hay là không tìm gì còn không cơ bản không tìm gì còn ở cuộc phun cơ bản đấy mình giờ không tìm có miền sụp sạch sầu. Dans l'unité itinérante du district où ces jeunes Cham travaillaient, est-ce qu'ils avaient le droit de parler la langue Cham? Ou bien devaient-ils parler Khmer comme tout le monde? Je suis Khmer comme tout le monde. Est-ce qu'ils avaient encore le droit de porter leurs vêtements distinctifs et de respecter leurs traditions ainsi que le culte musulman? Bà cho nó cứ không biết đấy và hôm nay có được chào có được mai cứ ăn miên ca cơ rục tam sát sna trong cái ăn miên bật là đã bật sát sna từng hôm nay từng vùng bông chào rồi mà.
Et qui avait interdit de parler la langue Cham? Ou encore de pratiquer le culte musulman. Est-ce que vous avez entendu des cadres Khmer Rouge en parler? Est-ce que vous avez jamais entendu des cadres Khmer Rouge dire à cette époque qu'il n'y avait plus de minorité au Cambodge démocratique? Cambodge, Cham, les Vietnamiens, 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 est-ce que vous pourriez raconter à la chambre ce qui est arrivé au Cham qui se trouvait dans votre unité itinérante du district? Dans quel village et dans quelle commune étiez-vous lorsque ces arrestations de vos collègues Cham ont eu lieu? Quand vous êtes rentré dans votre dortoir, combien restait-il de personnes? Combien de Khmer restait-il? D'accord, mais vous souvenez-vous combien de Khmer restait-il? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux parents de ces jeunes hommes Cham qui ont été arrêtés ce jour-là? Les parents ou la famille de ces
ពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះលោកដឹងទេថាមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងដែរចំពោះសាច់ញាតិឬក៏ពុកម្ដាយរបស់ជនជាតិចាមដែលគេចាប់ខ្លួនទៅហ្នឹងបាទគឺអត់បានដឹងផងអត់បានដឹងគាត់ថាដឹងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយខាងកងចល័តហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាពុកម្ដាយគឺយកទៅមុនឬយកទៅក្រោយឬក៏យកទៅស្មើគ្នាគឺអត់ដឹង Est-ce que vous avez appris quelque chose à ce propos par la suite? Même après 78 Durant les jours ou les semaines qui ont précédé l'arrestation de vos collègues de travail, est-ce que vous avez pu savoir s'ils avaient peur d'être arrêtés? Bien, ils avaient peur d'être arrêtés ce soir. Donc vous nous avez dit que vous retourniez vers votre dortoir quand vous avez vu que des chams était en train d'être arrêté et était en file indienne, c'est ce que j'ai retenu. Est-ce que certains d'entre eux ont cherché à s'enfuir ou à résister? Et pouvez-vous nous dire qui les faisait marcher? Qui les a arrêtés? Mais pourtant, est-ce que vous savez si c'était, comme vous l'avez dit, à la réponse 73 de votre verbal que j'ai déjà cité, est-ce que c'était des agents de sécurité ou des miliciens qui ont procédé à ces arrestations? ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អីនេះដែរមិនសូវជានេះវាជំនាន់នឹងហៅថាទុកទៅខ្លួនដែរ
D'accord, mais par la suite, vous avez travaillé à reconnaître parmi ces agents de sécurité des gens que vous avez vus par la suite. Et ce point que vous avez identifié, à quel unité appartenait-il? Travaillait-il au niveau d'une commune ou bien de district ou bien encore de la pagode de Wat Oh Thakurn? Quand tu as dit Wat Oh Thakurn, tu as dit non. À la réponse 73 de votre procès-verbal, Est-ce que vous-même vous avez vu cette cham être ligotée ou c'est quelque chose que d'autres personnes vous ont dit? Oui, c'est quelque chose que d'autres personnes vous ont dit. Oui, c'est quelque chose que d'autres personnes vous ont dit. Oui, c'est quelque chose que d'autres personnes vous ont dit. Oui, c'est Pinya bovil ngut pong ai pong da vi chern nang chon nang sai sai nhưng at hien meul tie ko kdai ktui phnai khin ko mnyak nang da tlap mau pi bai tak ai yup nhang tau ko khom du khom jai hang dam tha ki chap bong bon cham tau ah hai. Mais vous venez de dire que vous les avez vus. Vous en avez reconnu une ou deux personnes. Est-ce que vous vous souvenez des noms de ces cham que vous avez reconnus ce soir-là? Donc ma question reste la même. ដែលខ្ញុំនៅចង់សួរលោកដដែលលោកបាននិយាយថាលោកបានឃើញគេឆ្នេះនៅពេលដែលលោកឃើញគេនោះតើនៅពេលដែលលោកឃើញនឹងពួកគេនឹងត្រូវបានគេចងហើយឬនៅបាទគេបដាទៅហើយបាទគេបដាទៅហើយថាដឹងថាគេចងគេបដាទៅវត្តកលោដីបានខ្ញុំមកជួបពាក់កណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងណា.
D'accord. Donc si je comprends bien, vous rentriez dans le village et vous les avez vus sur la même route ou sur le même chemin être emmenés de ce même village. Donc cela veut dire qu'ils avaient déjà été arrêtés, qu'ils étaient en chemin. Est-ce que c'est correct? Donc cela veut dire qu'ils avaient déjà été arrêtés, qu'ils étaient en chemin. Est-ce que c'est correct? D'accord, vous avez dit tout à l'heure qu'il avait il était assez facile de reconnaître qu'il était un chemin en raison notamment de l'accent est-ce que vous avez jamais appris qu'il y avait des listes de cham qui avaient été constituées au sein de votre unité itinérante ou au sein des communes du district? បាទខ្ញុំអត់ដឹងនេះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយកទៅពូជាអត់មានទូនាទីអីធ្វើអរិយសច្ចៈទេខ្ញុំនិយាយថាធ្វើសច្ចៈទេហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងមានប្រធានកងឯកោអីយ៉ាងហ្នឹងបាទគេដឹង Est-ce que vous avez appris où ces jeunes hommes cham ont été emmenés? Et le sort qui leur a été réservé. Vous aviez dit à la réponse 71 du même procès-verbal que j'ai déjà cité, E319-19.3.9.3. Vous avez dit ceci, les Khmer Rouges ont rassemblé tous les jeunes chams de mon unité et les ont massacrés dans la pagode de Khotrakoum. En revanche, rien n'est arrivé aux jeunes Khmer. Est-ce que par la suite vous avez eu des informations qui ont indiqué que c'était la pagode de Khotrakoum, comme vous l'avez dit là, que ces chams ont été tués? Dans la même réponse, je voudrais, vous avez été très précis également, donc réponse 73, la question qui vous avait été posée est la suivante. Savez-vous comment s'est passée l'arrestation des enfants d'origine cham? Je passe un passage que j'ai déjà lu, vous l'avez dit. Le lendemain matin, nous étions informés que tous les enfants cham avaient été envoyés à la pagode d'Otrakoun.
ក្មេងៗចាំទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅវត្តអូតកួនសម្រាប់ការបញ្ជូនពួកទាំងនោះទៅវត្តអូតកួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកមិនយល់ថាលោកដឹងតែគេចាប់ខ្លួនចាមប៉ុន្តែលោកមិនដឹងលោកមិនប្រកាសថាគេបញ្ជូនទៅវត្តនោះទេ ខ្ញុំមិនអាចដឹងថាគេបញ្ជូនទៅខាងណាហើយប៉ុន្តែគាត់ពីបាត់ចោលនឹងប្រហែលជា3-4 ថ្ងៃមកលឺលៀងលៀងតាមខ្សឹបប្រាប់គ្នាថាគេយកទៅសម្លាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាសម្លាប់នៅកន្លែងណាគឺយើងប៉ុន្តែពួកនឹងលឺខ្សឹបទៅថាយកទៅសម្លាប់នៅវត្តស្ដៅនៅក្នុងឃុំស្ដៅប៉ុន្តែកន្លែងណាតំបន់ថានៅ Je comprends bien. Est-ce que vous avez également... បាទអរគុណលោកសាប្រញ្ញារោមអន្តរជាតិបាទឥឡូវនេះពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ដែរហើយហើយមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 11 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រូវរួតផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនៃមេបសាក់ថៃដល់សាក់ថៃរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញន